Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cooking by Mimi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de msemen garnie au fromage feta et à l'emmental avec une technique de pliage qui est super facile à réaliser. Ils sont délicieux, j'espère que vous allez tester la recette et l'approuver. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour les ingrédients. Ici c'est simple, on va commencer par préparer la pâte à msemen habituelle. J'ai ici 300 g de semoule extra fine, ainsi que 150 g de farine T45, une cuillère à café de sel, soit 7 g, une demi-cuillère à café de sucre, soit 4 g, un tout petit morceau de levure boulangère, soit environ 3 g, 290 à 300 ml d'eau, tout dépend de l'absorption de votre pâte. Et pour le pliage des msemen tout à l'heure, il nous faudra 50 ml d'huile et 50 ml de beurre clarifié. Donc tout d'abord dans le bol du pétrin ou bien dans un saladier, si vous souhaitez le faire à la main, vous allez verser la semoule avec la farine, une demi-cuillère à café de sucre, la cuillère à café de sel, le tout petit morceau de levure boulangère, l'équivalent d'un quart de cuillère à café. Je verse ensuite l'eau, donc ici je vais verser 250 ml et je continuerai à rajouter progressivement jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Je laisse pétrir pendant à peu près 10 minutes. Voilà, donc au total, j'ai versé 290 ml d'eau tiède. Donc ici, comme je vous ai expliqué, tout dépend de l'absorption de la pâte. Donc ça peut aller de 290 ml à 300 ml d'eau. Ici, j'abaisse ma pâte sur le plan de travail pour vous montrer la texture. Donc on obtient une pâte homogène, lisse. Je forme une boule et je vais venir huiler la pâte. Je la laisse reposer dans un sac de congélation pendant à peu près 5 minutes pour qu'elle se détende avant de commencer à façonner mes boules de pâte. Et en attendant, je vais venir préparer ma garniture. Donc ici, j'ai 250 g de fromage feta avec une petite poignée de fromage emmental râpé. Donc ici, pour ma part, j'aime bien avoir le goût de l'emmental, mais vous pouvez vous en passer. Vous pouvez mettre que de la feta. J'écrase bien l'ensemble comme ceci. Et je réserve au frais. Comme vous voyez, après 5 minutes de repos, la pâte est bien détendue, donc plus facile à façonner. Donc ici, pour ma part, je vais la diviser en 6 pâtons, mais il vous est possible de la diviser par 8 si vous voulez des msemen plus petits. Et je vais huiler légèrement mes mains pour faciliter le façonnage des boules. Et voilà, ensuite on va venir façonner les boules avec le pouce et l'index en pressant pour dégager une boule de pâte. Je badigeonne chaque boule de pâte avec un peu d'huile et je les place directement dans un sac de congélation ou bien dans un plateau huilé. On les couvre bien avec un film alimentaire pour éviter qu'ils ne forment une croûte. Donc laissez bien reposer vos petits pâtons pour faciliter l'étalage, donc de 10 à 15 minutes environ. Et voilà, ensuite je viens prendre une première boule de pâte. Je vais bien huiler mon plan de travail, donc ici on va l'étaler et l'étirer à l'huile seulement. Une fois avoir bien étalé votre pâte, formez un grand rectangle comme ceci. Vous allez ajouter du beurre pour le feuilletage. Vous allez venir couper votre pâte à l'aide d'une roulette à pizza de cette manière. Donc ici pour ma part, je coupe d'abord dans le centre et ensuite je coupe à nouveau de chaque côté comme vous voyez en image. Ensuite vous allez venir diviser votre garniture par 6 ou par 8 selon le nombre de pâtons que vous avez fait. Et vous allez venir déposer votre fromage comme ceci et commencer le pliage. Je vous laisse voir ça en image.
Et voilà, vous allez continuer ainsi jusqu'à épuisement de la pâte. Une fois avoir façonné tous vos pâtons, vous allez commencer par la première crêpe que vous avez réalisée. Vous allez l'asperger d'un peu d'huile et vous allez commencer à l'étaler légèrement, comme ceci. Donc pas trop fin pour éviter que le fromage ne sorte lors de la cuisson. Et voilà, ensuite vous allez la déposer sur la plaque de cuisson. Et vous allez retourner la crêpe régulièrement pour bien la cuire. Donc n'attendez pas qu'elle soit dorée pour la retourner. Et vous continuez la cuisson en retournant à chaque fois. Voilà, pour qu'elle cuit bien à l'intérieur. Lorsque votre msemen gonfle comme ceci, c'est que c'est bon signe. Et lorsque votre crêpe est bien dorée, vous la déposez sur une grille et vous procédez de la même façon pour tous les autres msemen. Et voilà les amis, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Ces délicieux msemen sont très très bons. C'est un vrai régal et sont faciles à préparer comme vous avez pu le voir. Ils sont bien feuilletés avec un bon goût de fromage pour le petit déjeuner ou bien pour le goûter. N'hésitez pas vous aussi à tester la recette et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.